Bonjour à tous, c'est Arnaud, c'est pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, j'ai fait mon petit bilan d'iOS 9. Qu'est-ce que j'en ai pensé? iOS 9 était bien, mais à quelque chose près. Alors, par exemple, ils avaient prévu l'arrivée de News. Bon, je vais faire une vidéo comment voir News en France. Mais News arrivera finalement à iOS 10. Et dans la vidéo, dans la description, je vous ai mis les appareils qui ne passeront pas à iOS 10. Dedans, je vais lire l'iPod Touch 5G, l'iPhone 4S, l'iPad 2, l'iPad 3 et l'iPad mini première génération. Et aussi, en fin de vidéo, je vous montrerai les appareils qui passeront à iOS 10. Avec la liste officielle d'Apple. Quelques nouveautés d'iOS 9 que j'aurais aimé. Bon, déjà, le GPS, c'est toujours pas ça. Ça, c'est une adresse que j'ai cherché. On va localiser. Le GPS, c'est toujours pas ça. Il n'est pas assez rempli à mon goût. J'ai plutôt opté pour Google Maps pour les plans. C'est mieux que celui d'Apple. Et aussi toutes ces nouveautés chouettes, ils ont mises à iOS 10 et pas iOS 9. Et aussi astuces. Qui aurait besoin d'astuces? Dites-moi. C'est comme mes amis qui auraient besoin de localiser ses amis. Il faut être vraiment fou pour localiser ses amis. Aussi la météo. La météo c'était bien rempli. Je vous montrerai celle de Google en cours de partie. Là vous voyez il y a le lieu où je suis. Là après il y a un autre lieu. Là après il y a un autre lieu. Et là il y a un autre lieu. L'appareil photo est toujours au top de sa forme. Mode vidéo. Toujours aussi cool. Mode accéléré aussi. Mode carré. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert. Le panorama, ça peut vous aider parfois. La barre de notification. J'aimais bien le côté aujourd'hui. J'ai ajouté quelques petits widgets. Hein. J'ai bien dit quelques petits. Hein. C'est ce que j'appelle quelques petits widgets. Vous voyez hein, le plus fantasy. Hein. Là, les notifications elles étaient bien classées. Ce que j'aime bien, c'est qu'on peut toutes les effacer d'un coup. Mais ce que je trouve pas très cool, c'est que le menu à gauche, je pense qu'ils l'ont mis sur les appareils qui sont pas venus avec iOS 6 ou avant. Parce que moi, je ne l'ai pas, sachant que quand j'ai eu mon iPod Touch, il avait iOS 6.1.6. Peut-être une raison. Mais après, ici, ils l'ont bien aménagé. Siri qui est plus intelligent. Mais ce que je regrette, c'est News. C'est tout ce que je regrette. Et aussi, le fait qu'ils m'ont mis sur une bêta qui ne va jamais exister. La bêta d'une version qui ne va jamais exister. Je suis sous iOS 9.3.3. J'ai 111 applications, 545 photos, 35 vidéos, 24 morceaux.
Là, j'ai mes profils. En dessous. D'ailleurs, j'ai toujours gardé le profil des bêtas. D'ailleurs, le certificat de signature des profils, il expire aujourd'hui. Et l'autre, il expire le 24 mai 2028. Dans la chose aussi plutôt gadget sur l'iPod Touch, le fait d'enregistrer ses cartes bancaires ou de fidélité sur Wallet. Parce que, sachant que avec iOS 10, Apple va inaugurer Apple Pay. Du coup, voilà. Ils se sont dit, on va mettre Wallet en attendant Apple Pay. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances. Bon, moi, je vous laisse. Une prochaine vidéo en août. Peut-être avant. Si je trouve. Bon, ciao! Tout à l'heure, je vous disais que j'allais vous montrer la météo selon Google. Mais chez Google, il faut savoir que l'application, c'est Actualité Météo. Donc, elle mélange Actu et Météo. C'est pour ça que je voulais avoir ça chez Apple. Là, on voit la une. Android, c'est moi qui mettais et qui avait mis ça dans les sujets d'intérêt. Là, le mise à jour Android, j'ai ceci. Là, il me recommande des sujets. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. Si c'est le cas, vous mettez... Bon, bye bye.